Salut à tous, et mes cousins, on se retrouve sur Horizon pour l'exploration d'un petit creuset, donc je pense être l'équivalent d'un donjon, à mon avis. Alors je suis déjà rentré un peu dedans, je me suis dit avancer un tout petit peu, mais voilà, ce sont apparemment, donc je pense, des donjons cachés dans les montagnes. Bien confirmé. Bref, allez, je mets ma route. Ouais, je rappelle évidemment que Horizon Zero Dawn est sorti aujourd'hui même. Ouais, donc c'est vraiment très récent, moi je l'ai eu hier un petit peu en avance. Et c'est un excellent jeu que je conseille fortement. Tout cas, ce qui est surprenant, c'est que ce creuset est très technologique à première vue au niveau du design, donc je pense qu'on peut s'attendre à des surprises. Effectivement, il y a des machines. D'ailleurs, vite fait, je t'ai débloqué. Non. Ouais. Oh putain la vache. Ça, le truc le plus con dans le jeu, je trouve, c'est que pour ressortir d'un menu, il faut appuyer le rond. Le problème, c'est que si t'as le temps, ça appuie deux fois. Ouais, puis ça fait ça en fait. La roulade derrière. Ouais, puisque pour faire une roulade, c'est le rond. Pour sortir d'un menu, c'est rond, et là c'est problématique parce que pour quelqu'un qui est habitué comme nous tous à jouer dans un jeu où bah, tu sors rapidement d'un menu, quand t'es en train de fighter, ce genre de truc, t'appuies toujours deux fois et franchement, c'est un peu mal foutu. Alors je sais pas du tout si je peux me laisser tomber parce que là, vu les éclairs électriques, l'espèce d'arc électrique, je sais pas, ça m'inspire pas trop confiance. Ah, malin. Tu risques de le regretter. Alors c'est vrai, c'est ici que les machines sont construites. Mais pourquoi? Et par qui? Ça doit être le cœur du creuset, certainement. Comment je peux y entrer? La machine ne m'emmènera pas plus loin. Ok, ça m'a ramené. Donc je suis dans un autre endroit de première vue. Donc effectivement, comme moi-même, je pensais, les machines pourraient être construites ici. Puis en tout cas, c'est la réflexion d'Aloy. Donc ce sera certainement le cas. Ah tiens, une copine. Ok, c'est le carré posé, c'est tombé. C'est plutôt pas mal parce que de ce que je vois, ou en tout cas de ce que je suis en train de faire,
Il va falloir la jouer main pour se tomber d'une zone à une autre, à l'intérieur de la zone, enfin, d'un endroit à un autre. On joue un peu légèrement que les machines volantes, c'est plutôt sympa. Chez nous deux. Ouais, je t'en fasse. Film comme ça. Sur le dos, que peut-elle bien contenir? Ça veut dire baisser la pierreté.
Elle avance. Je suis trop chargée. C'est quoi ce gros truc? SMS, ça peut être très intéressant pour se refaire du matos, avoir des ressources et tout, que ça servira déjà à ça. J'approche du cœur. Viens le camp. Oh, toi, t'as mal posé ta branche. C'est déjà plein.
Est-ce qu'on ne peut pas s'accrocher? Putain, toute la vie que j'ai bouffé quoi. J'ai pas la haine. C'est trop cheaté. T'en fais une seule que ça écrit, qui se fasse. Ça serait t-shirt quand même. Faut trop mal de sortir. Et que je pose ça. Ah, c'est gentil ça, les gars.
C'est parti. Je vais faire profil bas. Non. On va le tuer. Coucou. J'ai plus de place. Mais ben, je suis chaud quand même. Ah, c'est cool ça. Les ressorts de sécurité des zones camp. Brother. Ok. Donc voilà à quoi vont servir ces fameux petits donjons. Donc effectivement, en piratant ce genre de machine dans le donjon, j'ai pu par la même occasion débloquer la possibilité de pirater certains animaux. Et j'imagine qu'il faudra que je pirate d'autres donjons comme ça, mais justement, pour débloquer tout ce qui me manque et que je pourrais pas encore pirater. Quoi. Pour le coup, j'ai bien fait d'aller voir ce fameux creuset. Enfin bref. Donc voilà. Creuset terminé, on en est ressorti. Donc évidemment l'utilité d'un creuset, vous l'aurez compris, c'est de le pirater et ça nous permettra de débloquer la possibilité de pirater donc certains animaux en ayant des schémas et compagnie pour nous permettre justement de les pirater. Sur ce, ciao tout le monde.